Et bonsoir à tous et bienvenue dans le train de retard. Bah ouais, parce que c'est un jeu qui date un petit peu quand même. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est ensemble jusqu'à 22h pour continuer un petit peu Dragon's Dogma Dark Horizon, dont c'est l'OST que vous entendez en intro. Voilà, voilà, le temps de bien sûr relancer le jeu. Putain, cette photo du charisme. Mais non, mais je l'ai vu, j'étais obligé de la mettre. Voilà. Ah, le Twitter, c'est magique. Twitter, c'est la vie. Voilà. Ah, je suis désolé, ça va être barbare. Attention, on attend juste la fin de l'OST, c'est beau, c'est magique. C'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai entendu ce son, je me suis tout de suite chanté. Bref. Passionly. En fait, la chanson, la chant de Zelda dans Skyward Sword. Merci pour le follow, Big Daddy. Ah là là, allez, c'est parti. Dragon's Dogma Dark Horizon. Alors, j'ai réparé ma manette parce que j'avais le bouton RB qui déconnait complètement. Et il y en a qui disaient que des fois il pouvait se casser en fait à l'intérieur de la manette de One. Il y en a un qui a sorti un fixe très très con. C'est tu prends ta manette, tu prends là où il y a le bouton RB, tu pousses un petit peu et tu fais... Ah, tu souffles dedans. Comme une bonne vieille grosse cartouche de foufou. À l'ancienne mon gars, à l'ancienne. Et bizarrement ouais ça marche mieux. Alors j'ai dû souffler au moins 5-6 fois comme un taré au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Mais ça marche. Enfin ça remarche un peu. Bon. Ça me ferait chier de payer 70 balles une nouvelle manette. Le son. Voilà, non, parce qu'en fait, le son, il est obligé de passer par le menu en te mettant le son à fond dans les oreilles pour te le remettre à la jauge où tu l'avais foutu, toi, dans les options. Bref. Il sort quand, le remake? Il sort demain, hein. Remake PS4. Je crois qu'il sort demain, non? Je sais pas, j'ai pas regardé, faudrait que je me renseigne. Attendez, je vais regarder vite fait. Quand on tue de grands rêves, il coule beaucoup de sang, sans déconner. Alors attends, Dragon's Dogma, Dark Horizon. Parce que Dark Horizon, c'est la version PC, parce que j'ai perdu un peu le fil avec tout ça, moi. Dragon Dog... Non, des Dogma PS4. Est-ce qu'on a les infos? Voilà, sorti en 2012 sur PS3 X360, c'est ce qu'on avait dit hier sur la Renew, sur PlayStation 4, bonjour, bonsoir. Oui, alors j'ai avancé un petit peu et j'ai mis deux modes. Oui, ça y est, j'ai déjà modé le jeu, il a déjà crashé. Voilà, voilà. Donc non, c'est bien Dark Horizon hein, qui sera sur PS4, confirmation par le biais de la pochette du jeu. Dark Horizon, Dragon... 3 octobre, il sort aujourd'hui en fait, 3 octobre 2017. Ça y est, il est sorti aujourd'hui sur PS4. Oh là là, c'est beau. Donc oui, j'ai mis deux modes. Je me suis fait plaisir. Alors le premier est un mode de texture. Bah oui, parce qu'on disait que les textures c'était caca. Hein, on se tapait un peu les textures de 2012. Quand même, hein, sur la version PC, faut se respecter. Donc j'ai téléchargé sur Nexus un mode de texture en 2K, 4K, 4K je crois. 2K, 4... enfin un mélange des deux. Et un ENB. Alors, ça va cracher si je fais ça, mais je vous le montre quand même. Avec le NB, ça donne ça. Sans le NB, ça donne ça. Donc, c'est très gris. Ça rehausse un peu les couleurs. Ça enlève un petit peu ce voile gris qu'il y a un petit peu partout. Donc, voilà, histoire de se mettre bien. Salut, Lippy, comment va? Alors là, j'étais en route pour le Nord. Et parce que j'avais une petite quête secondaire que je voulais terminer avant de continuer autre chose. C'était triompher de 20 harpies des neiges que j'ai réussi à trouver. Qui était tout simplement au nord de la ville. Voilà, voilà. Comme ça en off, j'ai vidé mon inventaire, j'ai fait des petites choses comme ça. Vous n'aurez pas à subir tout ça. J'ai une nouvelle compétence à l'arc maintenant, mais ça je vous l'avais montré, non? La flèche magique qui fait de la lumière comme ça là. Paf! Ça aveugle les ennemis, ça illumine une zone et en plus de ça, ça surprend les ennemis embusqués. Salut Big Daddy, comment va? Ah, pff, plein de choses. Mais non, mais j'aime bien le jeu, j'aime bien. Bref, en tout cas, si vous avez une PS4, je rappelle, le jeu est sorti aujourd'hui en version remaster. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à la version PC, PS3, qui elle-même, la version PC, était la version PS3 portée légèrement mieux. Eh bien, c'est un rework un peu des lumières, rework un peu des textures, tout ça. En gros, c'est ce que j'ai là avec un ENB et des mods sur... En plus, God ! Ça bête. Hop, multi-target, mon gars. Paf ! Il faut se faire taper aussi un jour. Flèche magique. Paf, dans ta face. Ah, je crois. Ta 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 ta. Aïki couvre ta live. Non, ça passe pas. Allez, rush. Rush, il va se mettre en hauteur. Ah, ça bête. Tiens, mon gars, tu vas pas te mettre en hauteur. C'est moi qui prends la hauteur.
Là j'en vois des flèches de... des flèches de sombre. Multi-targeted combo. Ça commence bien là, ça commence fort, j'aime bien. Hop, d'huile au passage. Ah la saloperie, il m'a envoyé plus de flèches. Mais il y en a combien? Hop, backstab mon gars, backstab. Ah là, je vais me faire taper, je vais me faire tuer, je vais me faire heal. J'ai pas de garde, j'ai pas de garde. Esquive mon gars. Haikyuu cover drive. Loupé. Très 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 compliqué à placer cette attaque là. Eh rush le, rush le, rush le. Tac tac dans le bide. Merci pour le heal. Ok, il nous en reste un ou deux qui est là-bas, je l'avais vu. Moi aussi je peux jouer avec un arc, j'en ai rien à foutre. Sauf que j'ai pas que ça. Ah putain, le bouton qui déconne. Haikyuu cover drive. Non mais allez. Voilà. Paf. Voilà, et ça le fait sauter en l'air, j'adore, c'est génial. Paf. Par contre je vais crever, je vais tellement crever. Et c'est bon, ça y est. Oh la vache. Oui non. Ah. Vite, remède, j'avais des remèdes. Voilà, c'est bon, j'ai appris à crafter les remèdes assez puissants. J'ai un petit peu théorie crafté le craft, si je puis dire, dans le jeu, et je t'avoue que là ça marche quand même vachement mieux. Non, le bouton, ah, de faire de la merde, merci. Putain, il m'a, ah, voilà, mon allié qui me bloque, ça, ça m'énerve. Ah, si je jouais avec des vrais gens, ça se passerait pas pareil. Baf. Ah, le bouton de là. Manette qui déconne. Je te jure. Ah, rendez-vous avec la mairie de Nantes, bien. Ah, au niveau, ah, niveau social, d'accord, ok. Ce sera engagé, hein. Le studio le plus productif. Ah ouais, carrément. Ah oui, d'accord, quand même. D'accord, ok. Ben oui, j'imagine bien, oui. Ah bah c'est bien, c'est GG ça. Bah oui, c'est ça, vous êtes pas beaucoup, oui. Les indés. Bon, après tout ça... Oh, si je peux pas... Ah si, ça pète, ça pète. Mais non, mais il fallait que je re... Il y a des combats ici. Bah oui, on s'est fait embusquer, mais moi je veux des harpies. Où les harpies? On a les harpies. On peut pas grimper les falaises, hein. Non, on peut pas grimper les falaises. Ah mais ce mouvement de végétation, on se croirait dans The Witcher 3, c'est assez foufou quand même, hein. C'est dans le jeu de base, hein. J'ai pas mis de mode, j'ai rien mis de tout ça. Le seul mode que j'ai mis, c'est texture et luminosité. Je suis au début du jeu, ouais, je suis à... Je suis, bah en gros, j'ai passé la deuxième ville du jeu. Je sais pas trop ce que ça représente. On va dire, je sais pas, 10% du jeu. Mais ouais, ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut parler des gens comme ça, de manière positive. Ok, cool. C'est quand même le plus productif de Nantes. Que même... Ah, là-bas, il y en a. Je les ai vus, ça bête. Multi-hit, multi-hit mono-cible. Ah, loupé. Elle est tombée par terre ou pas? J'ai pas vu. Non, elle est pas tombée. Touché. Multi-hit combo. Non, c'est bon. Allez, vite. Non mais putain, de boutons qui déconnent de... Merde, non mais c'est pas... Ça, ça m'énerve, cette manette. Je suis sûr, j'ai le bouton pété, en fait. Putain, et là, ça marche plus du tout. Ah, d'ailleurs, je pensais à un truc. Demain, je récupère potentiellement une SNES Mini. Je pourrais pas la streamer, j'ai pas de carte d'acquis, mais c'est pour le beau jeu. Putain. Voilà, et ça marche pile au moment où elle redécolle. Ouais. Le petit combo. Voilà, coucher la bébête, il faut tes plumes en plus. T'as pas de plumes? T'as pas de plumes? Pas de palette? Mais lâche-moi, pote toi!
Voilà, 4-5 flèches, ça les fait tomber, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce quoi? Ah, je vais filer multi-boules de feu, voilà. Alors ça, ça pète que des gueules. C'est génial. Je crois qu'elle envoie 3 boules de feu max. On dirait tellement Zelda avec cette tenue, ça veut rien dire. Du coup, il y avait d'autres harpies là-haut? Non, j'en suis à combien? Il m'en manque 4. Un conseil sur le jeu? Oui, bah si t'as des conseils, vas-y. Hein. C'est vrai que je ne le connais pas du tout, le jeu. Ah, au-delà de ça... Elle m'a fait quoi, là? Coupé. Je vais les aveugler, ça ira plus vite. Elle saute! Elle est morte. C'est bon, ça touche. Quoi qu'il s'est... Ah oui, ça endort. Bah oui, c'est des sirènes. Baf! Les deux d'un coup. Ouh la vache. Il y a la plume. Paf, le coup de pied. C'est bon, t'es morte. Ah, mais il y a encore un mort. Paf, le feu, ça touche. Et le coup de tatane, voilà, merci. Tu récupères la plume. Ouais, ils sont vénères les pigeons ici. Archemage, trop cheaté. Moi, j'ai pas l'impression, hein. Je fais vraiment pas de dégâts. Franchement, le plus gros DPS que j'ai vu dans le jeu, c'est arme à deux mains. J'avais un mec qui était ça, j'ai resté bloqué pendant 3 plombes à un endroit dans le jeu, et du coup, j'ai pu voir les dégâts qui mettaient le truc. C'est même pas la peine. C'est bien, je ramène du poulet. Ah oui, mais ça consomme la stamina. Bon, bah, dégage le poulet. Oh, c'est cher, Archemage. Pourquoi il tire qu'à 2 cm devant lui? D'habitude, il tire beaucoup plus loin que ça. Ah, parce qu'en fait, ça pète au moment où tu lâches le bouton. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ouais, c'est ça. Complètement ça. Donc en fait, tu peux l'envoyer aussi loin que tu veux, lâcher au moment où t'as envie et bam! Hop, je maintiens. Et il y a quand même une distance max. Ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah ouais? Ouh, cinématique. Si c'est vraiment trop pété, je changerai. Then congratulations on you. You have found the man you seek. I am, or was, perhaps like you, a child of man, bound to the dragon. Well met, young Arisen. I am he who was forged by the dragon. D'accord, ok, très bien. Oui. Donc lui, il va faire quoi? Il va m'aider? Comment ça se passe? Bonjour.
All I know is yours to hear. The beast is called Death Incarnate. The great, you will learn when you come to face it. Ah, la vérité n'est pas aussi simple, j'aime. It possesses deep insight to match its core and an air of resignation. All I know is yours. Okay. The Arisen is a child of tis said. The Arisen is born. When the spirit gives rise to action, those like us, whose paths lead to the dragon, just as it is our own instinct, all I know is yours. L'enfant, l'enfance de dragon. I am him that was forged in the dragon. I stand astride the bounds of life and death. Remy, my battle as the Arisen has spanned a thousand years, and nor shall it until the all I know is your eye. Ours are bodies, a scar across the chest. I carved a scarred man into the face of this hill, that it might serve as a beacon. It beats yet, as does mine, there within the beast. A thousand years, mille ans, la vache. As long as the dragon lives, the hearts in its safekeeping know our kind may die in battle. Aye. We have stepped free. All I know is bah c'est cool, il les rend immortels. Craquer ? Non ? Je sais pas, moi ça me plairait bien. I shall come to know when the time has come. Know that all I know is that I am not but my shadow. I am come here at the end of my journeys. I am dragon forged. This looks interesting. I am dragon forged, first of the first men of the Undal, machin, je sais pas quoi, ouais. Ouah, du pognon. Je peux tout lui piquer, c'est trop bien. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh! Une cape à plumes. Oh, une pierre de machin. Un porte-à-cristal, voilà, c'est ça. Ah mais il y a plein de trucs ici. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Craqué? Je vais plus pouvoir porter quoi que ce soit, mais c'est craqué. Oui, non, ça c'est de la merde par contre. Plein de trucs de craft. Pourquoi? On entend le bouton de la manette, on va dire. Ah merde! Oui, non, c'est faux. Je suis pas du tout en train de grid absolument tout le repère du mec. Non, c'est faux. Oh, genre, il y a un temps de chargement entre la grotte de 2 mètres carrés et le dehors. T'es sérieux, le jeu? Sans déconner. Le mec, il fait une forêt de 20 000 km carrés et... Ah, un temps de chargement, il y a 3 cailloux. Non. Toujours très motivant, les phrases de Dragon's Dogma quand il pense. Vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une merde, le monde est immense et vous ne représentez rien, merci. Très encourageant. Même Dark Souls, il fait pas ça. Comme c'est de la torture psychologique, c'est différent. Très différent. Alors, voyons voir, journal, livre dangereux, mépris de la faucheuse... Mais alors attends, du coup les quêtes faut les rendre ou elles se complètent automatiquement? Non, elles se complètent automatiquement, non? Oui, elles se complètent automatiquement, d'accord, ok. Données. Quoi? D'accord. Déjà en poids moyen, t'es sérieux?
C'est la gestion du poids de portage, elle est relou par contre. Pas toujours ça de fait, hein. Où les flèches? Ah oui, c'est là. Et donner à elle. Mais elle peut pas s'en servir, en fait, je comprends pas comment ça marche. C'est de magie, un ancien livre de pillon. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que... Ah merde, c'est un livre de... Lol. Ouais, non. Vous croyez que ça te faisait apprendre des trucs? Mais c'est que j'ai trop de potions. C'est vrai que je suis en moyen déjà. Il faut que j'arrête de tout ramasser. Ouais, non, mais ça je sais, donc ça c'est fait. Un livre de... Mépris de la faucheuse. Ouais, une pierre de la veille, apportez-la à Austin Bay, messager, livre dangereux. Ah ouais, à mon avis j'ai loupé la quête principale. Ah attends, si, bah oui, mais alors attends, oui. Parle-moi. Bandits, but they can be found all over Crestus. Are of the purview of the Iron Hammer. Bandits. Ah. D'accord, ok. Ouais, le grimoire du mec là, faut aller le chercher là-bas. Il faut que je retourne à Cassardis. Sauf qu'en fait, j'ai un objet magique. Trop bien. Tadam. Ouais, je sais, mais déjà j'ai remarqué que quand t'as un moyen, déjà tu te déplaces à deux à l'heure. Et qu'en plus de ça, tu consommes ta stamina beaucoup plus vite. Ouais, ouais, ça j'avais remarqué. C'est pour ça qu'en général, genre... de l'eau de rustipatate. Je sais pas ce que ça fait. Redonne la vitalité à la chair pétrifiée, ok, annule tous les effets négatifs. Donnez. Étouffer la chaleur. Il purge le corps des sorts. Un compte-goutte qui redonne la vue. Voilà, voilà. We share these roads with traveling peddlers, guardsmen and other folk. Et là, étrangement, tu cours plus vite, n'est-ce pas? C'est le soir ou c'est le matin là? C'est le soir. En fait, ce que je trouve très bizarre dans le jeu, c'est que même sans ENB, en fait, c'est sombre. C'est que même quand t'as le soleil qui t'arrive directement au-dessus de la tête, c'est sombre. Très sombre. Ils sont où les gobelins? Je sais pas où ils sont. Oh, j'ai pris des flèches. Et sinon, les pions, ils s'arrêtent de parler un jour ou comment ça se passe? Il y en a une, elle arrête pas de jacter, c'est super chiant. Je crois que tu peux pas modifier ceux qui sont pas à toi. Quoi ça? Des bas. M'en fous les bas. This encampment serves as a fine bulwark against monsters. Non mais non, pas ça. De quoi? Mais c'est super chiant parce que le NB, même s'il ajoute quasiment rien, en effet, ton jeu passe de 60 à 40 FPS dans des zones complètement random.
never forget. Constant vigilance. Oui, oui, t'inquiète pas, je constamment vigilance. Oui, mais l'escalader pas avec tes mains, l'escalader à pied. Ça, c'est des méchants, ça. Tiens, mon gars. Oui, y'a un mage. Oui, y'a un mage. Ah, il se barre. Et évidemment, je puisse. Alors pris. Merci, enlève-moi. Voilà. Ok. Ah non, c'est que mon arme est enchantée ténèbres en fait. Ok. C'est pour ça que je tire des trucs violets. Ok, c'était eux le camp de bandits du sud ou pas? Juste par là-bas. C'est un méchant ça? Ah, eux là-bas, ouais. Ça, c'est un méchant, ça. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Baf! Ça, ça meurt. Eh non, ils ont pas l'avantage, arrête tes conneries. Ah, tu laisses tranquille le PNJ, oui? Merde. Ah, ça, ça passe toujours à côté, hein, c'est ouf. Voilà, t'es mort. Paf. Et pognon. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se bat encore? C'est un méchant ça? Ah oui. Ah mais ça j'arrive jamais à le caler. Putain merde. Tiens mon gars. Bah t'as même pas le temps de lancer. Oh merde, trop loin. Ça a l'air complètement pété la magie de ténèbres contre eux. My thanks. True, they were of the southern bandits from the look of them. Thanks to you, I'm alive and whole. But those rats made off with all I had. Even took that magic book. Ah, le magic book, parfait. Salut dragon, comment va? Have an interest in such tomes, do you? This was Salamet's grimoire. Seems it chanced to survive the blaze when the old council's library burned down. It is a rare and powerful tome, as I hear it told, so I bought it from a merchant of my acquaintance. If it truly holds such power, the likes of salvation would... Oula. It matters not. Ouais, non, non, tu donnes le bouquin, tu donnes. In any case, it is lost now to those damnable thieves. Next our path cross, I'll take them for all they're worth. That's all. Merci, merci, merci. I owe you a debt, sir. They were of the sub. Next. Et sauf que là, il me redit exactement pareil. The iron hammer dwells within a hold near the southern shore. Ah oui, alors non, c'est que j'ai pas fini la quête, faut aller. Ah oui, d'accord, ok. Faut aller choper les méchants. Est-ce qu'on peut. Attends. Tiens. Ouais, mais si. Ouais, alors attends. T'es obligé de lui donner pour ensuite l'utiliser sur elle, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas... Ah oui d'accord, donc en fait les pions qui sont pas... Attends, on peut voir un truc. Bah. Ah non, ils l'utilisent automatiquement, c'est ça. En gros, tu leur donnes et c'est à eux de gérer leur truc. Cette version premium de Minecraft, c'est-à-dire... C'est quoi cette histoire de version premium? J'ai loupé un épisode ou bien?
Ça passe? Oui, ça passe. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Ah non, pas les loups. Ah, ça va, je les défonce. C'est des petits loups. Petits loups, les petits loups, toujours les petits loups. Oh, mais non, mais ça touche. Putain, la hitbox de ce truc, c'est tellement de la merde. Ah, je bois. Tiens, mon gars. C'est quoi, on va faire un peu de lumière. Oh, sale bête. Oh, il est gros celui-là, attends. Eh oh, mollo. Oui, non mais... Tu pourrais me le laisser aussi. Qui est bien. Peau de loup, ouais. Who knows what lies in wait? Let's proceed with caution. We're apt to meet bandits and thieves. Je me disais bien que ça pue la merde ce truc. Je vais me le prendre. Ouais, non, ils se sont tapés entre les cailloux. Trop bien. Oui, ils sont morts. Parfait. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça me bat. Moi, ça j'aime. Ça, je veux. Je dis oui. Oula. Ulti-hit combo. Hop, aveuglé la bébête. Caméra. Peau de loup. Peau de loup. Ça c'est assez pratique ça quand même, la flèche lumineuse. Ah oui, la bête. Tiens, mange ça. Ah oui, du coup j'ai enchanté les armes lumière, ok, ça roule. Ah, je... voilà. D'accord, tu fais quoi là? Ah oui, d'accord, ok. Ça marche aussi, oui. Peut-être rebaisser un petit peu le son de la musique par contre. T'as crash. Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'appli bêta de Minecraft? Oui, vachement. Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'appli bêta de Twitch, pardon? Parce que... Comment dire? Comment dire? Et en fait, ils ont fait comme l'appli bureau. Enfin, plus ou moins comme l'appli bureau. Après, ça marche pas, j'en sais rien. L'appli bureau, je l'ai, j'utilise quasiment jamais parce que je regarde sur le navigateur, donc bon. Non mais c'est moi où la musique est encore vachement forte. J'ai vachement de mal à régler le son dans le jeu, je sais pas pourquoi. Un coup ça va être méga fort, un coup ça va être... Un coup t'entends rien, un coup... Enfin bref. Un coup mon bouton de la manette marche pas. Ah oui, le heal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a enchanté lumière, c'est ça? Est-ce que je fais de la lumière quand je suis enchanté lumière? Je vais voir, attends. Le jeu est tellement axé sur les détails. Ouais, vite fait. Vite fait, même pas du tout en fait. En 720p, la quoi a pas suivi? Oh. Tout de même. J'ai baissé un chouille de bitrate, hein. D'ailleurs vous me direz, ça pixelise pas trop normalement. Pour que ce soit quand même un peu plus accessible, même si ça l'est quand même déjà, parce que normalement il y a le réglage qualité. Il
Et là tu fais clac et il meurt. Mais il y en a combien des loups? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 loups. Heureusement qu'ils sont faciles à battre parce que sinon. C'est vachement stylé dans ces salles ennemies en fait. Là tu fais ça. Piou! Il pleut de la lumière. Paf! Dommage, il était déjà mort, je l'avais. Votre classe a augmenté, nickel. C'est qui là-haut qui fait de la lumière? Oh là, merde, j'ai tiré tellement loin. Je crois que j'ai touché un truc, mais je sais pas ce que c'est. Un loup. Nab. Oh là, merde. Cassez-moi. Il y en a combien de ces bébêtes? M'étonne qu'il y ait plus de loup dans les Pyrénées après. Saloperie, va. On me dit pas que je suis encombré moyen, bah oui. Forcément. J'ai quoi là? Un écume de dragon. Ça c'est une grenade. Combiné. Alors déjà, ça on s'en fout. Mais tu sais pas trop ce que ça fait en fait ce genre de truc. Tu vois, pollen sucré combiné, tu combinerais ça avec une terra plante. J'ai pas de terra plante. Je n'ai plus de terra plante. Salut Nedra, comment va? Je n'ai plus du tout de plante qui soigne. Voilà, sale bête. Ça, c'est fait. Hop, il y en a toi. 1, 2, 3. Oh la vache, 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, allez, t'as même pas eu le temps de me taper. Oh non mais non mais non mais pas 15 boules de feu sur un loup qui a plus de vie, respecte-toi, enfin je sais pas. Petit croc, filet de bête. Mais arrêtez de ramasser la viande pourrie, Sando, hein, tu connais. Il y a encore combien de loups là-bas? Les wolves, wolves, oui. Ça, j'ai vu. Mais c'est marrant parce qu'en fait j'ai donné des flèches explosives, silencieuses et tout à l'archère. Finalement, elle s'en sert jamais. Ah, ou alors j'ai loupé, je sais pas, j'ai loupé un truc, je sais pas. À l'archéma, j'ai des cool, ouais. Ouais, ouais. On s'en va pour tester. Mais que fait PETA? Que fait la pétasse? Bon, ils sont encore en train de gueuler sur Pokémon, sans doute. Oh, mais encore des loups, mais c'est pas vrai. Oh, là, il y en a un. Deux. 3, 4, 5. Non, celui-là, je l'avais déjà. Dans ta tête. Ça s'est pété. J'adore. Allez, remballe. Ah, franchement, la flèche lumineuse, mais c'est tellement stylé, je trouve. Genre, t'es perdu dans la forêt, mais bon, évidemment, le jeu n'est pas en coop. N'est-ce pas? T'arrives, tu fais, je ne vois pas où je suis. Pouf. Tu es là. Coucou. Ou alors, une forêt est trop sombre. J'ai peur de me faire embusquer. Paf, ça s'éclaire tellement loin en plus. Là, il y a du monde là. Je sais pas pourquoi j'adore ce truc. Aïe, sale bête. J'ai plus de stamina. Je gère tellement mal ma stamina, c'est n'importe quoi.
J'en compte les boss, je vais me faire buter. Qu'est-ce qu'il y a, il y a encore des loups? Non mais c'est pas... J'ai l'impression que la nuit, il y a que ça partout. Voilà, pluie de flèches, très bien. Ce combo qu'il a renvoyé sur mes dagues. Laisse tomber. Oh la tornade. Ça veut rien dire. Est-ce que ça ce serait pas de l'herbe qui soigne par hasard? Du soja, ouah trop bien, du soja. Ça fait quoi le soja? Un type de fève servant généralement à nourrir le bétail. Mais c'est génial. Ça redonne de la vie. Ensuite c'est worse, ça redonne de la vie. Après, je pense qu'il y a quand même des zones spécifiques où tu peux avoir genre telle plante, tel minerai, tel truc. Oui, mais non, mais j'ai... Non. T'as Zelda qui est là derrière, j'aurais dû en faire une grande blonde, tu sais, ça aurait bien collé au perso. Je sais pas du tout d'où viennent les armures. Celles que j'ai là et celles que j'ai mis à mon pion principal, je ne sais, mais alors pas du tout d'où ça vient. On dirait comme si j'avais acheté l'édition GOTY et que dedans ils avaient mis « Allez, on va mettre toutes les armures de tous les DLC bonus de précommande. » Ah bon? D'accord, bah merci. Est-ce que laisser l'animation chargée et bander l'arc, ça tire plus fort ou pas? Vraie question. Hein. À mon avis, ce serait pas étonnant. Tu sais, parce que voilà, hop, il prend le temps, piou, il prend le temps, piou. Sinon, tu peux spam comme ça, là, mais ça, je sais pas si ça sert vraiment, en fait. On va dire que je vais spam. Hein. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Bah là, en fait. Ouais, non, ça sert à rien de laisser l'animation se faire. Un cut animation, et puis hop, ça combotte. Ouais, c'est ça, on peut spam, ouais. Ouais, il y a de la musique, j'aime pas la musique. Faut lui parler, faut pas le taper. Mais pourquoi je suis encore en moyen, mais c'est pas vrai. Qui restaure beaucoup de vie, étouffer le feu. Tu sais quoi, je vais tout donner à Batelf. Qui redonne la vue, gna gna gna, chair pétrifiée, gna gna gna. Au moins que je repasse dans le vert. Car il a la plupart des effets négatifs, même ça je vais le garder ça. Permet à toute l'équipe de regagner de la vie. Bon genre je suis pas en moyen, je suis en léger là, tes conneries. Respecte-moi. Cette physique des drapés. Aye, the Grimoire is here with me. D'accord. Sadly, I've no mind to give it up. Nor do I have want of your coin. Now, if there were aught I wanted, gold had failed. Well, have you the metal, sir? Aye, the Grim. Sadly, I've no mind to give it up. Nor do I have want. Now, if there were aught I wanted, L'acier. There's a treasure chest to top this vault's tower. Ah bon, il y a un coffre au trésor en haut de la tour. Mais quelle tour? Machin là. Il veut de l'acier, le gars. Grimoire est quelque part dans la cage des voleurs. Fouillez-la et reprenez le livre. Mais il faut leur piquer ou faut lui... Parce que de l'acier... J'en ai pas. Oui, on va éviter les combats, tout ça. Ça verra bien. Ça me dérangerait pas de me battre contre eux, hein. Bon. Oh, il est là. Masque incognito, qu'est-ce que c'est ce truc?
Loul. Je ressemble à rien. Ouais, mais oui, mais forcément, vu que c'est une armure complète, ça marche pas. Oh, elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Encore une fois, vu que j'ai une armure complète, ça ne sert fucking à rien du tout. Je peux pas la donner à quelqu'un. Non, parce que même mon... Tant pis, c'est pas grave, de toute façon c'est moche. Voilà. Et si le machin il était au sous-sol peut-être? Là, non, 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 saute pas, saute pas, saute pas. Mon avis... Tu sens le machin à lancer sur le camp là pour qu'ils meurent tous. Non, sans déconner, si je tombe, je me fais mal. Merci le jeu. Ils disent pas où il est. Hein. On peut pas monter là-haut. Ah, il doit être là, par là, mais... Attends. Non, c'est pas un coffre. Ça, c'est un coffre. Pas ce que je cherche. Ah, attends, quoique. Tu peux pas grimper, ce serait trop facile. Non, non, il doit être par là, mais alors où? Non mais je l'ai trouvé, their leader. Pierre de réveil, pas mal. Sauf que le leader, il veut pas me donner son grimoire. Donc il faut que je le trouve tout seul, elle est marrante elle. Je sais pas moi où il est le grimoire du leader. Ah attends, on peut monter. Ouais, il y a un coffre. Masque de bandit. Oula. Tombe pas. Ah oui, d'accord, ok. Il faut le trouver, ça, quand même. Sauf qu'il y a fucking nada. D'accord, super. Non, mais sans deck, il est où le machin? Si t'étais un grimoire, tu serais où, toi? Bon, si je ressaute là, je vais me faire très très mal. Ne saute pas du lâche. Tu risques de te faire très 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 mal. Thank you. Et les autres, ils sautent aussi. Sadly, I've no mind to give it up. Now, if there were aught, I would... Donc non, il l'a sur lui, de ce que je comprends. Si je le tape, ça fait quoi?
Ouais, oh, c'est worse, hein. Bim! Non, s'il y avait une touche d'esquive, je t'avoue que je serais franchement pas mal content, là, quand même. Hop là, loupé! Merde, bah, moi aussi loupé. Ah oui, vas-y, enchaîne. Paf, coup de pied. Aïe. Par contre, le heal. Ah, mais ils arrêtent pas de bouger, c'est chiant. Non, ça. Hop, ça c'est fait. Bah t'es mort. Ours énorme. Ouf. Et voilà, c'est bon, avec les ténèbres. Parfait. Je t'ai encore loupé. N'importe quoi. Et bouge. Voilà. Non mais non, je l'avais. Ah là, là oui. Bugger off. Ok, ça c'est good. Ah, le bouton de la manette qui marche plus. Y'a pas des combos? Genre, hop. Parce que je sais qu'à l'épée bouclier, si tu fais coup, t'attends. Coup, ça fait un autre coup. Un peu plus fort. Et là, là non. Il veut pas. Et le bouquin dans l'histoire, non, personne. D'accord. Non, il y aurait pu. Les dagues, l'épée bouclier, tout ça, tu te dis, voilà. Bon allez, on va jouer au con. Pour moi, il est sur le marqueur rouge. Donc... Il devrait être quelque part genre... Tout en haut dans son deck. Ah mais je fais comment pour monter moi maintenant? Non mais t'es sérieux qu'il faut faire comme ça? Ouah la vache, ah ouais quand même. On t'a planqué un bouquin mais mon gars tu vas en chier. Ah putain mais oui c'est vrai il est là en plus. Aïe. J'aurais pu ne pas les tuer. Ça aurait été moins fun. Donc let us report the task to le monsieur. Bah on va y aller. Alors j'avoue que là niveau... Ouais. Niveau exploration, niveau... vas-y, en fait, autant la map t'indique plus ou moins où il est. Donc ça d'accord, hein, y a le petit machin qui te dit où il est. Alors, par contre pour le trouver le bidule après... Fouah. T'as vraiment... en fait là je suis grimpé sur des espèces de murs et des machins. T'as l'impression que c'est du décor où tu peux jamais aller, tu sais, comme dans tous les jeux vidéo qui se respectent. Loin de moi l'idée de dire que par contre ce qu'il fait c'est tout pourri, hein, bien au contraire, mais là... chapeau, hein. Chapeau. Salut, j'ai ton bouquin. Salomed was a scholar until the day he went mad. I, geniuses are so oft touched with madness. I care only about the toll I would make in mine, sir.
Yes, this is it. At long last. Where is a humble nook? My thanks, sir. Truly, in the future. Oh, 15 000 pognons, la vache. Ah oui. T'es petite, madame. T'es un enfant? Bon, t'es juste petite. Alors, tiens, va. What will it be today? Eh bien, écoute, alors, si j'ai bien compris, quand... La grosse bébête. J'en ai affronté déjà des grosses bébêtes. Mais de ce que j'ai compris, quand tu achètes une compétence donc qui a le même nom, mais un cran plus cher, en fait, c'est juste un upgrade de la même compétence. Si je dis pas de conneries. Donc là, on a quoi? C'est marrant parce qu'Ataraxis, c'est une maladie dans Skyrim. C'est la maladie qui fait que tu as, je crois, sensiblement moins d'attaque physique. C'est pas l'ataxie, non, c'est l'ataraxie. À chaque fois, je me plante. Donc, ataraxie, éruption solaire, donc x2. Oui, voilà, c'est ça, le nombre de piliers de feu est augmenté. Donc ça, ça pourrait être vachement, vachement cool, étant donné que je m'en sers pas mal, mais que je loupe tout le temps ma cible. Verrou d'ombre. Planter des lames dans le sol pour invoquer un saut magique qui emprisonne les ennemis. Ouah, génial. Contrôle de foule. Ok. Alors, morsure du vent. Le nombre d'attaques est augmenté. Mais ça, c'est quand je fonce sur les ennemis. Bon, ça, bof. Vous avancez pour envoyer l'ennemi dans les airs. Vous pouvez aussi mettre le feu à de la poudre et provoquer des explosions. D'accord. Lancer une bombe qui paralyse les ennemis proches. Pourquoi pas. Prenez une pause neutre. Vous éliminez toutes les ouvertures dans votre défense provoquées par les autres actions. Bon. Ça, ça a l'air marrant. Ça aussi. J'aurais pas la place de tout mettre, mais... Ah oui, les nouveaux sorts mages. Le nombre de flèches décochées est augmenté. Ok, ricochet. Vous décochez une flèche magique qui traque sa cible et ricoche sur les murs. La force de l'attaque augmente avec les ricochets. Efficace dans les couloirs. Ah oui, oui. Donc tu peux jouer archer dans les environnements fermés. C'est ça qui est vachement bien. Crâle. Et bien ce jeu. 10 ennemis à la fois. Alors ça c'est quand je charge mon super coup fort. Mais je m'en sers quasiment jamais en fait. Je préfère acheter ça. Need gap, la portée d'attaque. Ok. Ça j'en ai toujours pas. Ah, il me manque 10 points de classe pour avoir prédateur, lol. Pas grave. Alors du coup, boule de feu, blizzard, tempête, mur ardent, vous générez un grand mur de flammes peu puissant mais qui enflamme facilement les ennemis. Ouais, pourquoi pas. Générer un bloc de glace qui peut servir de plateforme. Pourquoi pas. Vortex électrique, votre corps est entouré d'éclairs infligeant des dégâts. Ouais, on s'en fout. Grappin arcanique. Contrôle de foule. Invoquer un saut magique qui neutralise la magie des ennemis. Très bien ça. Aveugle, ouais. Moi ça je l'avais déjà. Ah oui d'accord, donc je déclenche. La portée du froid est augmentée. Là on a quoi, le nombre d'éclairs est augmenté. Dégâts subis par les attaques magiques. La durée du sort des guérisons. J'aurais dû prendre ça, lol. Alors, boule de feu, charme sacré. Arme obscure, donc ça c'est les... Ouais. Alors là, le baiser mortel, d'accord, ok. Éruption solaire, souffle de drague, bah, tu sais quoi, je vais prendre deux attaques feu. Ah oui, il y a une étoile à côté pour dire que c'est level 1. Ok. What will it be today? Have your pick. Come again soon. Est-ce qu'ils sont tous full life? Here we can rest, ouais. Manage inventory and skills. It was a tome of considerable power. Alors là, normalement, je devais aller voir le machin des Wyrm, je crois. Ouais, la pierre de réveil. Non, c'est pas ça. C'est
Oui, attends, faut que je lui vende ça. Zéro. Ah merde. Dommage. Ça se vend cher, ces conneries. Pardon. Ah oui, quand même. Ça vaut cher. J'ai bien envie de les garder, ça. Je m'étouffe dans mes conneries. Mais non, il y avait un bonhomme que je devais aller chercher, genre le garde des Ouïghars, je sais pas quoi là. Faut pas aller au château. Pièce de savoir, armurerie. Alors, voyons voir. Ça, j'en ai pas. Il m'en manque deux, c'est dommage. Ça, j'en ai qu'un. Putain, le bouton qui remarche pas. Bah oui, mais non. On peut pas le revendre, ça. Patch Elf. Alors ça, niveau 2, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut des anaterbes. Voilà, voilà. Salut, Maître Zen. Salut, salut. Ouais, oui. Il est ressorti sur PS4 en version remaster. C'est pour ça. Putain, j'ai vraiment le bouton de la manette de One qui est en train de décéder. Ah, c'est en train de me péter les couilles. Lui recaler une dernière fois, mais à mon avis ça marchera pas quand même au bout d'un moment, mais bon. Ça marche pas. Si, c'est bon, ça marche. Mouais. Mouais, 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 hein, quand même, enfin bref. Attends, non, c'était où? Là. Alors, fais péter. Oui, c'est de la merde, hein. Faut aller le vendre. On est d'accord. Et donc là, je pourrais peut-être lui acheter des nouvelles armes. Me remarque. Fais péter. Bah non, j'ai déjà acheté les meilleures en fait. Triste. Griffe sinistre, bah ça tu peux l'équiper du coup, vu que c'est un truc en plus. Force et magie, bah ça peut être bien pour moi ça. Anneau de la rose, anneau d'impatience. Ah non, les trucs rouges comme ça, celui-là, d'accord, ok, augmente la résistance au sommeil, d'accord, ok. J'aime bien les griffes, c'est genre, voilà. Alors du coup, on est là et... Je vais garder le maître des dagues. Comme ça, le maître de l'épée, je le vends. Ouais non, je vais le garder. Ça vaut du pognon quand même. Et ça a l'air bien. Ok, nice. Est-ce que mes boutons LR remarchent? Putain non, le bouton R il marche une fois sur 12. Ok, c'est bon. Ça va, ça remarche. Oh, regarde. Ah non, mais je... C'est... Voilà. Depuis que j'ai commencé hier soir sur la réunion, franchement... Je vais sincèrement de surprise en surprise dans le jeu. Autant dans l'exploration que dans les combats, que dans les... Franchement, ouais. C'est super cool. Bon, là, faut juste que je trouve, donc... C'est où? Autorisation dont disposent ceux qui
prennent donc part à la chasse au Wyrm, à défaut il est interdit, blablabla. Faut juste que je trouve le mec qui donc permet de chasser le Wyrm, comme ils disent. Et le dragon. Ça devrait être par là, je pense. Quartier des nobles. Je sais pas, j'explore. Tiens, bah là, bizarrement, il n'y a pas de temps de chargement. Dans les bâtiments, en général, il n'y en a pas. C'est entre les villes et le dehors qu'il y en a. Lui, il a rien à me dire. Je sais pas. Ah, attends, c'est lui. Ah, Arisen. My men have told me much of you. I am Sir Maximilian Eisenstern, captain of the hunt, so named by His Grace Duke Edmund Dragonsbane. Dragonsbane. I beg your forbearance whilst I detail what is expected of you in the hunt. The worm hunt license you carry permits the bearer to undertake the most vital of tasks, those missions given by Duke Edmund himself. Of late, all our will is focused on learning of and defending against the wicked dragon. A weighty task, to be sure. But one which the fate of the realm and its people rests upon. Voilà. I am under orders to lend Arisen all reasonable aid as they might. Ouais, 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 ouais. J'ai rajouté un ENB et des textures 4K en fait sur le jeu. Je vais te montrer ce que ça donne sans ENB. C'est pas top top sans en fait. Donc ça change juste la lumière, les couleurs et les textures sont beaucoup plus. Parce que ça, le sol, sinon il est. C'est des textures de N64, hein, sinon. I would pray you return this assistance in kind. Many hopes are pinned upon you, sir. Certes. It would be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. The choice is yours. Ok, d'accord. Alors attends, le langage oublié, la forteresse. Une magnifique, rien pour l'instant. Le langage. Certainly. Then here are the details. I have important work for you. The task at hand is just such a case. Will you, as I was setting about to find work for you, I came upon this slate. I know not its origin, nor its age, but the writing it bears is old. So old, our men could only read a few words. What little we know, all points to you, sir. Best you should have it. If there's aught of import written there, we need to know. Ta-da! Alors, voyons voir. Ouais, sans ENB, en fait, ça donne ça. Et avec l'ENB, ça donne ça. Non mais c'est vrai, hier soir, pas tout à l'heure, n'importe quoi, en fait j'avais fait ça à un moment donné, j'ai regardé au sol directement en étant dans la forêt et j'ai vu, mais la texture qu'il y avait, c'était juste dégueulasse. Ah non, franchement, c'était limite comme le muret qui est à côté là, vous voyez, en pire. C'est pas beau. Cherche en ville des personnes qui pourraient éclairer, d'accord. Je peux pas lui prendre une autre quête. Certainly. Then we have urgent work. A horde of goblins struck the fortress while it was still. Though the hold is remote, it's important we must say you have my. I've sent some of the. I await good. Tu peux quand même enchaîner les quêtes. On va pas tout prendre. Parce que ça, c'est les quêtes principales. Après, t'as les quêtes secondaires qui sont sur un autre tableau. Et donc là, il faut aller. Il a parlé d'une forteresse au sud, non? Rendez-vous à la roche du sud et joignez les forces envoyées pour reprendre le fort. D'accord, mais c'est où le nanan du sud? C'est là? C'est là ou c'est pas là? Ah, c'est là-bas. Ah, mais c'est loin! Comment tu vas par là-bas? Faut passer par là, là? Comme ça, et hop, tu remontes. Il n'y a pas de passage ailleurs, il n'y a pas de route, il n'y a pas de. C'est quoi, je vais passer par là? The road to the southwest hold is long and unfamiliar. We'd best hire on a guide. Trouver quelqu'un qui nous guide. Bah ouais. Connaisse un pion qui connaisse bien le chemin. Bah oui, mais j'en connais pas moi. c'est super simple à installer les ENB. Hein. C'est comme Skyrim. C'est exactement le même truc que Skyrim.
En gros, tu vas chercher le NB V300, tu prends le D3D9 DLL qu'il y a dans le dossier Wrapper, le fous dans ton dossier de jeu, après tu télécharges le NB que t'as envie, tu prends tout ce qu'il y a dedans, tu le dézipes dans le dossier du jeu, point, c'est fini. Non, non, mais c'est super, super bien expliqué sur le Nexus, hein, les mods, allez les chercher sur le Nexus encore une fois, hein, de toute façon, il n'y a pas ailleurs, ça n'existe pas ailleurs. Donc dans tous les cas, ça c'est réglé. Alors, non, il ne devrait pas y avoir une porte par là. Blop. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Non, non, mais franchement, un tuto pour installer un ENB, je vous en fais ça en 10 minutes top chrono, hein, à tout péter. Vous voulez un tuto? Non, parce que sinon, je vous tourne une petite vidéo tuto comme ça, je vous l'upload sur YouTube et sur Twitch, et voilà. Je ferai ça. Fin de semaine, je ferai ça. Une tour au loin. Elle parle de quoi? Elle parle de ça ou elle parle de... Elle parle de quoi? Une tour au loin? Parce que là, ce qu'on voit là-bas, c'est ça. C'est Cassardis. Par contre, ce qu'on voit là-bas au bout, alors là, tour du vent peut-être. C'est archi loin. C'est archi méga loin. Ah oui, apparemment il y a un espèce de Cthulhu Kraken. Et si tu vas dans l'eau, tu te fais bouffer. C'est génial. C'est trop bien. Il n'y avait pas un nid d'oiseau là-haut là ? On peut rien faire avec. D'accord. J'aime pas cet endroit. Je suis pas fan de l'endroit là. Mais après, ce qui est chelou, c'est que tu vois, j'ai acheté n'importe quoi, j'ai installé un ONB. Et même en version performance, et bah t'as des zones comme ça, je suis à 40 FPS. Alors que 100, je suis à 60, hein, y a pas de souci. Des objets rares sur le rivage. Ah ouais? Sans deck. Oula, 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 oula! Putain la vache, c'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord. Il y avait Sado. Le maléfice du Kraken empêche les aventuriers de nager. Ah ouais, donc en fait, il t'explique avec une espèce de lore magique que, en fait, tu peux pas nager. Pas mal. En fait, t'as une vraie raison au fait que tu ne puisses pas nager pour le coup. C'est pas mal. Pas comme dans Dragon Age Inquisition, n'est-ce pas? Mécanique de rendre classe. Ah oui. Ça te débloque en fait des... Comment ça s'appelle? Ça te donne des points en fait. Les points te permettent d'acheter des compétences. Et plus t'es haut au rang, plus t'auras des compétences. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ah non, franchement, avec des petites textures HD, ça passe. Hein. Franchement, ça passe. Non, mais par contre, sans déconner... Par où je peux passer? Ah, peut-être là, là. Peut-être par là. C'est des bandits, ça? Ah ouais, c'est des bandits, ça.
Ouah, trop stylé! Par contre, j'ai plus de stamina, voilà, comme un con. Putain. Et à chaque fois, je me fais avoir. Je suis là en train d'essayer toutes mes compétences et tout. Baf, mon gars. Oh là là, méga stylé. Baf, baf. Oh là là, mais ça, c'est craqué, c'est craqué, c'est craqué. Regarde, ich là. C'est tellement stylé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu où j'étais super sur le cul par rapport aux animations. C'est tellement craqué, regarde ça, voilà. Baf. Il y a jamais d'autolock, il y a jamais de... C'est toi qui fais, c'est vraiment toi qui fais tout en fait. Ah, pas la Street of Rage, mais j'ai plus de stamina. Donc ça ne sert à rien. Maggie ? Ah non, je vous promets, c'est jouissif. Pardon. C'est jouissif. Ah mais tu vas la laisser mon mage, oui. Baf ! Couché, on te dit. Ah non mais c'est... Ah non, je surkiffe, hein. Le mage archer là, c'est génial. Autant tu vois, le mage bâton, le gameplay est assez lent parce qu'il faut le temps de charger le sort. T'as une animation comme ça qui dure longtemps, nanana. Putain, mais il manquerait plus qu'il soit en coop ce jeu, please. Mais please. Quelqu'un l'a pris sur PS4 ou pas? Salut Buddy, au fait. Plus tu as de rang, plus tu as de compétences, et plus tu tues des gens, plus tu as de points de compétences, effectivement. Et ça s'accumule assez vite, hein, les points de compétences quand même. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Parce que ce serait con quand même que sur la version PS4, seulement cette version-là, ils aient mis une espèce de forme de coop. Ce serait totalement débile. Alors attends, je vais juste checker un truc dans le menu. Voilà, je vais juste enlever Depth of Field. On va sauvegarder la config. FPS limite 60. Tu t'es gentil, tu respectes. Brute force, non. Ok, c'est bon. Comme ça, j'ai un petit peu retweak le NB. Ça n'empêche que malgré ce NB, tu vois, regarde, si je l'enlève, enfin, c'est gris. Hein. C'est gris. C'est pas moche, mais c'est gris. Après, l'univers de jeu se veut gris, hein, ça c'est clair et net. J'aime bien quand ça a un petit peu plus de couleur, ceci dit, bon, enfin bon. Et t'as des endroits comme ça où tu descends à 40 FPS, c'est pas injouable, mais c'est dommage. Et donc, il n'y a pas de version PS4, n'importe quoi, de version coop sur PS4 non plus, du coup. Ça paraît, donc oui, ça paraît très... Ouais. Oh là là. Franchement, je vous dis, le seul jeu pour moi qui se rapproche de celui-là en coop, c'est Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Où tu peux jouer à 3. Oui, c'est ça, tout ce que tu peux faire, c'est partager tes compagnons en ligne. Qui, eux, comme on disait hier, justement, je sais plus qui c'est qui me disait ça, qui retient en fait les actions que, par exemple, vous avez fini le jeu, vous m'envoyez votre compagnon, et bah le compagnon va dire, ah oui, mais je connais cet endroit, il faut faire ça comme ça. Ce qui est absolument génial. En termes de gameplay, d'immersion dans le jeu et tout, c'est, je trouve, franchement, en termes de détails, ce jeu est complètement fou. Il y a des gobelins. Ricochet. Oh, ça fait mal, la vache. Rayon magique. Off. Multi-hit combo. Taïo! Jack! Baf! Dommage, il était déjà mort. Qu'est-ce que t'as? Un problème! Tiens! 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 Combo! Tiens! Oh là là, c'est jouissif. Non, je vous promets, c'est génial. Un truc que tu peux difficilement expliquer quand tu ne joues pas manette en main, c'est le game feel. J'ai plus de stamina. Allez, trêve. Rah, j'y arriverai jamais. Je suis trop greedy sur la stamina. C'est impressionnant.
Je suis beaucoup trop greedy. Les zones à partir du moment ça a plus d'importance. Tu parles des zones genre là où je suis, enfin les zones de dehors. Ah oui, qui connaissent les mobs. D'accord, ok. Oui, non, bah oui, bien sûr. Parce que ne pas savoir une faiblesse à un monstre, t'es pas bien du tout. Hein. C'est un piège ça ou je rêve? Un piège ça? On s'en déconne. Et lui il se le prend pas. Oui, non, mais t'aurais pu m'en laisser un peu. J'ai envie de marcher dedans quand même pour voir ce que ça fait. Attends. Ça amène des loups. Oh la vache! Attends, j'ai. Vraiment la manette qui déconne de ouf. Ah, le bouton RB il déconne complètement. Ah, il n'y a plus de loup. Oui, mais calmez-vous. Merci, madame. Merci, Zelda. Il est où le gobelin? Il est où le gobelin? Ah, oui, attends, il y a plein d'herbes là. On a quoi? Ça fait quoi déjà le grand 6? Granis, grand 6? Matériaux. Combiné, fais voir. Ah, ça fait des simples séchés avec du vin dénué. D'accord, ok. Pas mal. Potion de soin. Ça au pif. Alors, c'est pas les fleurs de grand 6 qu'il me faut, moi. C'est du brillant sol et de la terra petit plante, un truc comme ça, là. Ça alerte les ennemis. D'accord, ok. Non. N'importe quoi. Ah, pas gueuler ça. Flash explosif. Mais c'est con parce que depuis tout à l'heure, ce que je fais, tu vois, c'est que je prends. Attends, fais voir ça. Ardoise antique. Non, ça faut que je le garde. Donc, tu vois, je prends mes flèches. Je les donne à l'archer. Mais il s'en sert jamais. Comment on fait pour lui dire, vas-y, sers-toi de tes flèches. Tu vois, il peut pas. Bon. Elle a bien un arc. Donc si vous savez comment on fait, je suis preneur parce que j'ai pas compris. Il y a deux trois petites choses dans le jeu comme ça que je piche pas très très bien encore. Pourquoi j'ai la musique de ça? C'est la musique de Dragon Rose Thailand de Wind Waker dans la tête depuis à peu près cet après-midi. La choose our path carefully. Bah écoute, ouais. Pour monter sur la route. Un sorcier? Où c'est un sorcier? Tiens mon gars. Oula, il cherche des attaques lui. Oula vache. Punaise. La barre de vie que ça paie. Ça pique. J'ai plus de stamina et je suis mort. Ah oui, j'avais une pierre de résurrection, c'est vrai. LOL. Attention, ça fait mal. Merde, j'ai déjà un mort. Ils sont peut-être un peu forts en fait. Attention. Ouah, fou, heureusement. Que c'est parti avant qu'il tape. Ah mais Battelf est morte. Non c'est bon, elle est vivante. Je vise tout le temps à côté, ça veut rien dire. Bam.
Donc ouais, le petit coup qu'il envoie en l'air, s'il est déjà au sol, ça sert strictement à rien. Très bien. Elle était pas... Loupé. Vas-y, heal. Leave it to me. Ouais, le coup de... Il fait mal quand même, hein, le coup de tatane. Il me reste combien de gemmes spirituelles, là? Bah, j'en ai plus. Surtout que le jeu, il sauvegarde pas tout le temps, tout le temps. T'apprends vite à sauvegarder toi-même, en fait, genre maintenant, en fait. Quand recommencer à l'entrée d'une ville parce que t'as oublié la sauvegarde automatique, ça fait mal. Quoi ça? Solitaria? Teste des trucs, j'y vais au pif en fait. Ouais ouais, non, franchement quand le jeu te dit non non mais c'est pas par là, hein, c'est pas en mode il y a un mur invisible, non non, c'est tu meurs trois fois et tu comprends peut-être pas. C'est comme hier, enfin il y en a qui étaient là sans doute hier soir, et justement quand t'arrives en fait, t'arrives dans la deuxième ville, enfin la capitale, et il faut descendre tout au fond du puits de la renaissance de je sais pas quoi des pions là. Comment dire que, en fait, tu descends tout en bas, et à un moment, t'as des vers qui t'attaquent, qui sortent du sol tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je suis resté à peu près, je crois, une heure et demie, à essayer de tous les buter. Jusqu'à ce que je vois et qu'il fallait parler, en fait, à un des pions qui te dit, mais en fait, non, faut pas les taper, faut remonter. Une heure et demie à les taper. Des monstres. Ah, il y a des lézards invisibles. Vous le voyez là, dans l'eau, là? Toi aussi, tu vois le lézard... Putain de bouton de manette de mes couilles. Ah, je sais qu'il faut taper la queue. Ah, parce que tu peux couper les... parties des monstres. Voilà. Allez, perds ta queue, toi. Et c'est bon, je vois que tu le tiens, je vois que tu le tiens, arrête de le ralentir s'il te plaît, on peut pas désactiver le ralenti. Voilà, bim, la queue en moins. Aïe, la vache. Ah non, mais je... Ah bah voilà, bah je peux plus bouger. Allez, relève-toi. Vite, il y a un peu trop de méchants là quand même. C'est quoi ça? Okay. Permettez, je me heal. Attends. Loup. Voilà. Putain, heureusement que je me suis heal parce que je viens de crever. Non, je suis pas mort, 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 je suis pas mort. Je suis mort. Gros jeu. Réessayer en mode facile, oui non, parce qu'en fait le jeu t'insulte aussi hein, quand tu meurs, parce qu'il te propose de réessayer en mode facile. Déjà quand tu commences le jeu t'as 4 modes, t'as le mode normal, le mode dur, le mode speedrun, non t'as que 3 modes, normal, dur et speedrun. Non mais je me doutais que la forêt c'était pas exactement mon level. Mais là à ce point là quand même ça fait mal. Il faut passer par où pour aller au machin tout à gauche? Faut passer par en dessous, par la zone de départ. Je vais me TP. Pouf.
Flashbang. Tadam. Est-ce qu'on se repose à l'auberge? Est-ce qu'il y a une auberge? Normalement, oui. Normalement, oui. Là où ils vendent des armes, en général, ça fait un peu tout. T'as auberge, machin, armes, je sais pas quoi, coffre. Consultez les panneaux pour... T'as un petit peu abusé du poisson grillé. Le panneau des quêtes secondaires, il est où? Non, ça c'est le vendeur, ça. L'auberge. Ça c'est pareil, quand t'es dans une ville, tant que t'es pas passé devant un truc, et bah il te dit pas où il est. Panneau d'émission, chaise de savoir, d'accord. Au moins une chaise où quand tu t'assois, tu sais que t'es assis. Ça doit être par là. Ah. Succès Steam déverrouillé, le touriste quand même. Merci. Salut Gekuri, comment va? T'avais à me demander, t'es pas un peu petit, monsieur? D'accord. I knew I could rely on you. Truth be told, a crime has already come. A thief, cousin. He strikes the same spots each time. Geraldo's grocery, and a rat steals in a night and pinches the food. A skilled wretch, too. I've spoken with the others, and they are none too pleased at this violation and eager to be quit of it. Best you come and find me after. Mm-hmm. Are your travel preparations complete? Non. Ah bah voilà, là ça coûte que 50 pièces d'or dans la capitale, ça coûte 500. Non, 500 ou 300, 500 je crois. Ok, c'est bon. Yo. Ah bah le voilà. Alors, association. Venez de Z, d'accord, triompher de 10 bandits. Oui, hein. Et on fait de 24 chauves-souris géantes. Oh. Oui. On va tout prendre. Les animaux sont massacrés, les monstres sanguinaires, les créatures rendues violentes par... Oui, mais c'est où? Région Grand 6. D'accord. La révolte des gobelins. Tuer 30 gobelins. Ça s'en va. Et on fait de 10 harpies. Voilà. Demande d'escorte. Ça paye bien, mais non. Aller plus loin. Affinité d'un compagnon en l'escortant à destination non plus. I'd not believe such villainy could be found in the scoundrel even uncovered my hidden stores. 'Tis clear the felon is no com. Alors, qu'est-ce que j'ai de plutôt cool? Je vais garder cette quête là, je vais essayer de trouver le chemin pour aller vers l'ouest. Comment ça, non? Oui, mais avec le décalage de Twitch, si on dit non, moi je sais plus. Par rapport à quoi? Alors, ouais. Oh, il y a des petits lapins. Est-ce qu'on peut tuer les petits lapins? Oh! Ah oui, on peut. Y'a plus de petits lapins. Voilà, attends, sans déconner. Peut-être que si je continue vers l'ouest, à partir de... Là, peut-être. Des fois, il tourne la tête comme un gros mongolo en mode non, je vais aller par là. Non. Ah, la sale bête. Oh, je l'avais pas vu arriver celle-là. Oh, tellement classe. J'ai eu assez de battle.
les petits points, toujours les petits points. Oui, non, mais sans déconner. Pour ça que j'y vais pas sur les routes. Parce que justement, c'est safe. There may be materials here. Perhaps we'll find aught of use. Faut explorer, faut explorer. Hein. Ouais, les poètes. Aïe, fait mal aux yeux. Nous, les poètes. This encampment serves as a fine bulwark against monsters. The road splits here. Let's be doubly sure to find out where this path leads. Ah, je sais pas où il va le chemin, mais en même temps, j'ai bien envie de savoir. Ah, des loups, évidemment. Tiens, plus de loups. Ah mais, regarde, ça marche une fois sur 12. Oui, mais comme par hasard, là, ça marche. Tu peux voir, regarde. Clique. Comme par hasard, quand je le montre, il fait genre je marche. Les petits points, toujours les petits points. Et là, j'appuie dessus, ça marche pas. Donc, je me loupe. Et non, mais pas sur lui. Mais non, il n'y a plus de loup, on les a tous tués. Ah, bon alors, à mon avis, c'est par là. Gna 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 gna. On verra bien. Heureusement que j'ai quand même cette petite pierre de TP, parce que bon, je sais pas d'où elle est venue, elle était déjà à la capitale. C'est un méchant ça là-bas, non? C'est un méchant ça. Et vise la tête, oublie pas tes classiques. Oui, bon, enfin bon. Comme vous y allez, monsieur. Ah, mais j'ai plus de stamina. Deux minutes, j'ai encore fait de la merde. Un coup de main, peut-être. Aïe. Ils ont quand même pas mal de pognon, la vache. Donne-moi ta vie. Ah, de quoi? Où ça? Qui? Ah, ah oui. Non, tu tireras pas. On dirait un coup tiré d'un anime, c'est n'importe quoi. Allez, vas-y. Tiens, voilà. Ok, d'accord. Bon, j'en demandais pas tant. On est où? C'est parfait. Là, tu le rush, le gars. Tiens, bouffe. Oh là là, ce combo. Combo rush. Rush souffle. Rush derrière. Éruption. Là, tu fais rush. Loupé. Tu re-rush. Et tu fais combo avec derrière. Sauf que j'ai encore grid ma stamina comme un connard. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, j'aimerais de l'huile.
Vas-y, heal. Oh la vache, sale bête. Tiens mon gars, tu vas pas te relever avec ça. Mais non, il vise un peu n'importe où. N'importe quoi. Tiens, tu la laisses tranquille. Attends, c'est à moi l'autre là-haut là ? Non, c'est pas à moi. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Viens là, viens là, viens. Au pied. C'est quoi cette stance ? Le mec il était vautré au sol, j'ai rien compris. Bah. J'ai plus de stamina encore une fois. Merci pour les armes enchantées, mais. Oh, ça pique ! C'est bon, il est mort, il est mort. Calme. Oh là. Aller au récif, c'est-à-dire. Bah non, moi je veux faire la quête. Forteresse assiégée, tu vois, les gobelins ont assiégé la roche du sud. Un bastion, je sais pas quoi. Et en fait, quand tu regardes ta carte, le machin est tout là-bas, là-bas. Le problème étant, c'est que je ne sais pas comment on fait pour y aller. Sûrement par là. Regarde-les là. On dirait que c'est des vieux maîtres Jedi. Non, il n'est pas encore prêt pour le récif. Mais maître, j'ai pourtant fait tout ce que vous m'aviez demandé. Non, Anakin. Tu n'es pas prêt, arrête de pleurer. Oh la vache, c'était quoi ça? Il... Tiens, allez, c'est gratuit. Est-ce que si j'ai le temps, je peux lui décocher une flèche pendant qu'il est en l'air? Aïe, ça c'était moi. Oh la vache! Voilà. Bon, il reste plus que le gros là. Non, je suis déjà full life. Ah la vache, merci. Ouh putain, c'est pas passé loin. Forcément, vu que mon bouton déconne, j'ai pas pu enchaîner combo. Oh la sale bête. Oh merde. Je suis sur la bonne voie, c'est déjà pas mal. La série, c'est fou, pas mal. Bref, je vais y arriver. Non mais si mon bouton arrêtait de déconner, je pourrais enchaîner mes combos comme je veux, mais là... Mais oui, quand tu sautes, ça fait un break animation, tu peux re-enchaîner derrière avec un autre truc. Ça marche pas toujours. Oh non! Qui c'est qui a pas sauvegardé? C'est Bibi. Quand je vous dis pensez à sauvegarder, ça c'est en mode jeu à l'ancienne. Ah bah non, j'ai pas, je connais pas les mises à jour, n'importe quoi. Les sauvegardes auto toutes les 5 minutes. Je connais pas. Ouais, tu m'étonnes. Aïe aïe aïe. Sale bête ce jeu.
Ah, je les entends les sales bestioles. Oh, bah ça c'était gratos. J'ai vu, il y a pas une de... Ouais, voilà. Lamentaire nocturne. On dirait un Pokémon. Écume de dragon, j'en ai déjà. Ça, c'est les grenades. What this? Ouh, doudou. Non, mais non. Non, mais... Non, mais... Des cours débiles, cours... Trêpe. Un très très bon jeu, n'est-ce pas? Un jeu gameplay parfait qui n'a aucune faille. Ben franchement, et voilà, j'ai encore trop grid, merci bien. Ouais, franchement, c'est, bah, enfin, déjà dans le menu, t'es proposé le mode difficile et le mode speedrun. Alors, déjà, t'imagines, le jeu a un mode speedrun à part entière. Rien que ça, déjà, ça te dit waouh. Ça risque d'être intéressant quand même. Speedrun, mode difficile. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment un New Game Plus? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Là, il y a les loups. Sans déconner. Putain, mais ça marche vraiment une fois sur cinq. Mais le problème, c'est que tu sais, il y a des vis tellement pète-couilles dans la manette de Xbox One. Que alors déjà, tu déclipses tes deux parties là, à l'arrière. Et en fait, après, t'as quatre vis... Là, et une dernière au fond là, qui en fait ce sont des vis... Alors attends, parce que je l'ai le tournevis en plus qui a ça, sauf qu'en fait c'est les vis en mode sécurité. Donc en fait elles ont un petit pointon, je sais pas, un petit bout en fait au milieu. Et il faut avoir le tournevis donc en étoile je crois, avec un, deux, un, avec six branches, en espèce de roue dentée. Et sauf qu'il faut un trou au milieu du, bah, du machin, parce que sinon ça rentre pas. Donc j'arrive pas à les enlever, donc... Non, c'est pas un spoil, le New Game Plus ou pas, c'est pas un spoil. Sauf que du coup, ben... Bah, du coup, je peux pas la démonter. Oups. Tu vas laisser tranquille, oui. Voilà, merci. Aïe. Oups là. Aïe, oui. Ça pique. J'ai pas de bouclier, moi. Oh. Mais laisse-moi le taper. Quand même. Bref, ok, on est bon. J'en ai rien à foutre, je vais sauvegarder après chaque affrontement. J'en étais sûr. Eh ben non, tu montes pas. Couché, on te... Merde, loupé. Et... Hop, il est mort. Même pas? Ouh, c'est quoi ça? Pourquoi ça envoie des petites boules jaunes? Faudrait que j'essaie de mettre ma manette de Switch en fait sur le PC, mais il faut un dongle Bluetooth et j'en ai pas.
si je sais le faire. Salut Ran. Ouais, Francis Lalanne. Regarde-moi ça. Tu veux venir avec moi comme Adé dans la forêt? Allez, dans la cabane du pêcheur. Hein? Mais tire juste! Oula, y'a du monde là. 1, 2, 3, 4. Là! Bloody hell! Yo, paf! Couché! Ouf, ce mitraillette de feu! Non mais reviens là! Non, non, mais tu... Oh, oh, tu me le laisses. Non. Mais... Bon, ceci dit, j'ai réussi ma quête. On sauvegarde. Voilà. Ouais, il va déjà être 22h. Oh, allez, je suis magnanime une demi-heure de plus. Ouais, en même temps, si je me couche à 23h, ça passe. Tu sens le mec qui cherche des excuses. 23h, c'est jouable. Allez. Oh putain, il y a du monde là-bas. Hop là, ne tape pas toi. Tiens, couché, on te dit. Chope-le, chope-le, chope-le. Oh. Ah, des quoi du tout. Sale bête. Petit live, fra, dans le dos. Ah non, archer mage. Archer mage. Salut, cool style. Eh oui, non mais c'est vrai. C'est... Oh allez, 5 minutes, 2 heures après. Moi je vais le regretter le lendemain, mais c'est pas grave. Ça passe. Du coup, le lendemain, t'es là, t'es en mode zombie. Même avec du café. T'arrives devant ton bureau, t'es là, tu fais... Non, c'était worse. Ah là, si, ça passe. Super soirée hier soir, ouais, génial. T'as pas un peu les traits tirés? Non, c'est ma gueule, là, d'habitude, ça. C'est bien parce qu'en fait, je commence à progresser et tout le monde me dit ouais non mais c'était horrible, j'ai jamais pu avancer, c'était oh le passage de merde. C'est rassurant, c'est... C'est un gros LP ça. Cassez-vous. Mais arrêtez de danser comme des connasses et battez-vous. C'était quoi ça? Ah parce que si tu veux, Ran, après le casque qui déconne, j'ai le bouton RB de la manette qui marche une fois sur 12. C'est chiant. Et il tank le petit con. Hein. Combo! Tu rush et bah il est mort. On va pu au moins me laisser foutre le dernier coup. Ah mais c'est un gros à l'épée ça aussi. OP. Là. À prendre à viser. C'est un arc magique avec des projectiles qui suivent l'ennemi. Oh putain de merde. Alors, pause. T'es mort. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai pas un truc qui booste l'attaque? Je crois que ouais en fait. Tu vois? Diminuer la défense. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Elle le tient ou elle le tient pas là? Oui, elle le tient. Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Hop, ils sont pas morts. Non mais c'est pas vrai. Oh là là, mais... Pourtant j'ai du bon stuff, hein, je crois. Enfin je sais pas, j'en sais rien.
mais ça suffit. Oh la réunion, merci la réunion, des bisous, coucou. C'est qui Chaos? C'est qui a fini de stream à cette heure là? C'est Kimero? Ah la saloperie! Je vais jamais y arriver. Bref, bienvenue dans une séquence où t'as intérêt de savoir sauvegarder dans ta vie parce que sinon ça marche pas. Non, oh, le problème c'est que t'as pas de bouton d'esquive dans le jeu. Comment je fais? Parce qu'en fait, il y en a deux gros à l'épée, de toute façon, qui vont me soit one-shot dans le dos, soit me trip-shot. Attends, il faut que... Ils font fla en avant, et après, ils t'enchaînent en faisant fla vers le bas, fla vers le haut. Ou alors... Ouais. Est-ce que le fait d'être dans le dos de quelqu'un, ça marche? Est-ce que t'as un avantage à être dans le dos d'un ennemi? Ça leur fait zéro dégâts. J'ai plus de stamina, j'ai plus de stamina, j'ai plus. Mais quel con, arrête de grid. Coupé. Oh non mais pas déjà. Allez, ça bourre dans le tas, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Aïe. Putain, mais regarde. Allez, voilà. Il est mort? Il est mort. Et non, j'en veux pas de ton truc nul. Oh, attends. Ah oh oui, non. Équipement. Alors. Non, mais non, j'avais pas dit oui. Oh, mais celui-là est mieux en plus. Bah oui, parce que je l'ai fait level up. Pas grave. Hop là, ni vu ni connu, c'est pas moi. Il en reste deux petits là-haut, c'est ça. Non mais lol. Y'a quoi là-dedans? Tu laisses ma pote. Oula. Oula. Oups, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Oula. Voilà, c'est bon. Il. Oups. Ah putain, je me prends le dernier. Et en plus, il y a des loups là-bas. C'était pas le bon bouton. Non mais non. Attends. Ouais. Elle est knock. Elle est pas morte. Il est où l'autre? Attends. Ah bah je me disais bien, il en manquait un depuis tout à l'heure. N'importe quoi. Relève-toi toi. J'aurais dû prendre un mec à deux mains et pas à l'arc. Je vais changer de pion après, je pense. Zut. Oh putain, la vache est pas passée loin. Mais oui, on lui fait mal, t'inquiète pas. Voilà, il est mort. Non mais faut apprendre à viser aussi un T4.
Et évidemment, il y a les loups. Bon, voilà, hop. Non! Non, pas moi, non, pas moi, non, pas moi. Pas moi. Tiens! Pouf! Quel connard! Et ben non. Non mais non, oh mais c'était sérieux le jeu. Merci. Voilà, c'est bon. Oui. Ah non, je peux pas, pourquoi je peux pas? Ah. LOL. Attends, je l'ai touché ou je l'ai pas touché? Non bah non, c'est pas possible. Ok. Oh là-bas. Non mais non. Voilà, merci. Ok, c'est bon, là maintenant on peut sauvegarder, s'il te plaît. Thank you. Ouais, non mais oui, mais j'ai un tank. Si ça se trouve, faudrait que je prenne deux tanks. En fait, j'ai un tank, un archer et un mage. Parce que l'archer, je voulais lui filer tout ce qui est flèche explosive, flèche silencieuse, etc., etc. Sauf qu'il ne s'en sert jamais. Sale bête. Donc bah du coup je me retrouve comme un con à avoir crafté plein de flèches qui ne servent strictement à rien du tout. Est-ce que il y a une situation particulière? Est-ce qu'il y a... je sais pas. Ouais non mais non mais... On va passer par au-dessus. Ah putain la vache! Dans un matou. Alors, je suis encore... putain la vache, mais énorme merci, Ran. Par contre, Streamlabs, on va pas être copains. On va pas être copains parce que t'étais censé quand même... comment dirais-je... mettre une alerte, hein, qui est présente à la base. Et qui, ma foi, est censée fonctionner. Hein? Donc, t'es gentil, là, Streamlabs. Coucou. Merci. Putain, mais il est dissident, mais c'est ouf. Pour les beats, en tout cas, chaque fois, il déconne. Coucou. Voilà, merci, double dose. Oh là là. Beats hype. Beats hype. Ah là là. Ah, mais de toute façon, je vous promets, tout ce qui est investi, que ce soit dans les beats, dans les dons, dans les machins, dans les je ne sais quoi, est totalement réinvesti, en tout cas tout ce qui est sur par le biais de Twitch est réinvesti dans le matériel. Sauf qu'après tout ce qui est bits, sub, etc. Twitch c'est un peu particulier, je rappelle. Il a quoi? Non. Qui en fait tu peux récupérer l'argent quand t'as atteint un seuil de 100$ je crois sur le truc. Ça lui fait rien. Ah bah il a plus de queue. Merde, j'étais trop loin. Moi ça lui faisait rien. Il y a un piège là. De quoi? Où ça? Qui? Hein? Ah oui, il y en a un là-haut. Putain, j'avais pas vu. Il y en a un là. Tiens, et ça tu résistes peut-être? Ah oui, mais j'y peux rien moi avec mes attaques physiques là. Mais y'en a combien?
Kai, t'as plus de queue, mon gars. Allez hop, oula oula oula, la mêlée, la mêlée, la mêlée. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Ah oui non, c'est que ça leur vise la queue avec. D'accord. Tiens mon gars. Ouh la vache. Non, relève-toi. Je me casse. Voilà, crève charogne. Un problème? Voici là. Oui, tu vas le bouffer. Il m'a empêché de comboter. Petit con va. Tiens mon gars. Oula 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 oula. Merci. Ouais, il faut leur couper la queue, ouais. Et arrête-moi ce kill cam ralenti. Oh la vache, mais c'est tellement pété la foudre. Enfin, la magie, de manière générale, c'est craqué, hein. Ah mais il est mort. Bah oui, mais s'il est mort aussi, faut y mettre un peu du vôtre. Ils m'ont tous sauté dessus, j'ai même pas activé le piège. Oh. Là tu les entends grogner de loin quand même. LOL. Flèche ricochet, je tire dans un mur et pour faire exprès de faire un ricochet pour que ça fasse des dégâts, le machin il part dans l'autre sens. Tiens. Oh, Chavenant. Ah tiens, j'avais pas vu lui. Oh oui, comme par hasard il se recule. Oui, 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 non mais je sais, strike the tail, strike the tail. Viens mon gars, t'as plus de queue. Non mais... Lui il a rien vu venir. Ah merde, y'en a un autre. Allez boum, plus de queue. Paf. Niveau 20. Mais y'en a combien sans décoller? Ah oh bah bien, elle a loupé tout son sort de foudre. Déjà la première fois que tu vois des lézards dans le puits de la première ville, t'es pas bien. Mais j'aime bien parce que ça se confirme tout au long du jeu. Les lézards, c'est horriblement chiant, merde. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Peut-être redescendre un peu. Hmm? Ouais. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil, moi encore.
Ah, c'est bien beau les UNB, mais ça pique un peu. On peut descendre par là ou pas? Je vais me toller. Hein. Attends. Comme dans Skyrim. Quick save. On tente. Ça passe. La part du temps, ça passe pas. Voilà. C'est... Oh putain la vache. Oui, mais arrête de gueuler! Et t'approches furtif et tout, tu fais on va contourner, et puis t'as l'autre derrière. Ouais, y'a des lézards! Mais non. Hein? Quoi? Ah. Ah, t'es obligé de passer par là. C'est pas mal fort, j'ai l'impression qu'il craigne vachement la magie en fait. Tiens mon gars. Oula. Non mais arrête avec tes trucs, juste. Rayon magique! Ça sert à rien quand il fait jour, mais c'est pas grave. Ça bête! Et j'ai grid, et j'ai grid, et j'ai grid, et merde. Non, c'est bon. Ça fait mal. Hein. Eh merde. Pas vrai. Ah bon bah voilà. Ça c'est fait. Un jour j'y arriverai. Un jour il me restera de la stamina quand j'arriverai sur un monstre. Mais je sais pas trop ce que c'est le level max. J'ai l'impression d'évoluer quand même assez vite. Donc, me dit que ça passe. Non mais chut, si vous fermiez un peu vos gueules, on pourrait passer sans qu'ils nous remarquent. Ça court vite un bébête comme ça, la vache. Chut, 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 putain, mais c'est pas vrai, mais quel gland. Quelle cruchiasse celle-là. Peu d'artifice, mon gars. Non mais non mais ça touche. Un fragment de faille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors lui il a déjà plus de queue. Loupé. Mais je sais qu'il faut couper la queue. On peut pas leur dire de se taire au mec, sérieusement? Non, parce qu'il faut que répéter les mêmes trucs. Hein. Voilà, c'est bon. Vas-y, heal. Sauvegarder quand même. Pouh. Ah, les guerriers, c'est pas fini. Hein. Non mais franchement, sans déconner, à chaque fois qu'il se passe une merde, c'est à cause d'elle.
Et j'ai pas de pioche. Non mais non, mais non. On se casse. Hein, ça au bout d'un moment ça suffit là. Et je crois, hein, ouais, tu peux leur dire de leur fermer leur tronche. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, ton pion principal, tu peux lui dire, voilà, dans telle situation tu parles, dans telle situation tu te fermes ta gueule. Ce qui, ma foi, est plutôt pas mal. De l'éradication. Non mais non. Genre, il a une armure. Ah là, là ça touche. Hein? Où ça? Les vieux cris. Non mais non. Ouh, entre les deux yeux. Bien joué ça. J'adore faire des dashs comme ça, t'arrives à 2 cm de l'ennemi, tu frappes, ça touche pas parce que t'es à ça de lui. Mais qui dash? Was this moment, did you fucked up? Maybe. Ouais, non mais ça me fait marrer parce que les gobelins ils se mettent genre des boucliers là sur les deux côtés en mode salut j'ai une armure. Comment dire? Comment rester poli? Évidemment, il n'y aura pas d'auberge entre les deux, ça me paraît trop beau. Très belle descente de falaise. C'est vrai. C'est vrai. Careful, le gobelin. Il y en avait combien là-dedans? Mon gars. Voilà. Ah oui, vas-y, 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 enchante, enchante, enchante. Oh ! Ah, le rush dans la garde, ça a pas aimé. Hein. Non mais là. Ikea, fournisseur de refuge pour gobelins depuis 1992. Ah la vache. Mais alors, qu'est-ce qui définit le fait que ta vie soit encore dans le blanc ou pas du tout? C'est-à-dire que quand tu te prends un coup, t'as quoi? T'as la moitié qui part en blanc, la moitié qui part pour de vrai. Salut Merwan. C'est... comment ça se passe? Ça m'a l'air pas mal. Ok, 3, 4, 5. Je peux pas en viser plus de 5.
Ah 6, non je peux en viser 6 apparemment. Ouf. Ils vont être tous déjà morts avant d'arriver. Hop, et là. Voilà, il y en a plus. Ah bah tu sais quoi, regarde, il commence à faire nuit. Hop. Pif. Paf. Tiens mon gars. Non mais non, non mais ça fait froid. C'était mon mien. Tellement classe le sort de la flèche de lumière, sérieux. Ah là, allez viens là Gordas. Oula. We could scale this mountain, provided we sort out the shallower slopes. Ah, c'est bien ce que je pensais, il y a au moins 4-5 cailloux qui vont me tomber dessus. Comment je vais faire pour contourner? Comme ça. Surchargé, mais t'as qu'à dire j'ai un gros cul. Hein? Couvert de mousse. De mousse 2. Oui, mais enfin, en deux flèches, ils sont morts. Voilà. Ah, oh, presque. Ah, loupé. Sa bête. Oh, il est mignon, lui, il a une couronne. Oh, il est mort. Comment ça, Popoète? Oui, non, non, mais attends, je suis occupé. Paf, allez, tous aveuglés. Merde, j'ai plus de stamina. Cassez-vous. Aïe. Aïe. Ok. Il y en a encore plein là-bas. Oh, attends, il y avait du pognon là. Là. Oh la mousse de cappuccino. Oui. Là. Non, j'ai grid. Non, j'ai grid. Oh, j'ai grid. Oui, mais attends. Deux minutes. Je vais me faire défoncer. Hop là. Oh, l'esquive! Oh, l'esquive avec le saut, magnifique. Aïe. Vite, 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 vite.
Ok. Ok, non mais d'accord, je... Ah oui, j'avoue, il me faisait le cul, ouais. Ouais, ça paraît logique, ouais, les sortes de... Bah au moins, t'es sûr que tout crame. Les gobelins avec, normalement. Normalement, bon allez. Je vais essayer de rester sur le chemin quand même. Et je reprends de l'arme. Voilà, comme ça qu'on fait. Voilà, c'est bon, il est mort. Il est où? Hop, il est mort. Il est mort. Si je mets ma lampe, je me fais repérer plus vite ou pas? Flèche troublante. Genre tu te fais toucher par la flèche, je fais... Oula, je... me sens pas top top là. Je suis pas bien. Je crois que j'ai laissé le gaz allumé, ça va pas. Flèche. Mais ils s'en servent jamais. D'accord. Hop là. On arrête de gueuler. Hop. Et l'autre, elle est contente. Elle en a vu un qui meurt, elle est contente. En fait, je peux les avoir comme ça, j'en ai rien à foutre. Technique de cours lâche. Paf. Et zut, salut, success. Voleur guerrier ou autre cac, comment ça? Ouais, les flèches font mal, ouais. Mais par contre, ouais, tu vois, les flèches spéciales. Oh, pouf! Je crois qu'il est mort là. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais quand même prendre le chemin. Oh non, des cailloux qui roulent sur moi, comment vais-je les esquiver? T'es con! Putain. J'allais dire si c'était un joueur qui jouait avec moi, là ce serait jamais arrivé. Mais bizarrement quand même, tu vois, j'y crois moyen, mais bon. Toute confiance en mes mates. Mais t'as tendance à tellement te perdre dans les forêts, dans les machins comme ça, c'est génial, mais en même temps c'est super risqué. Sauvegarde. On n'oublie pas la sauvegarde.
C'est quoi ça là-bas? C'est des gobelins? Oh putain, ça a l'air énorme le truc là-bas. C'est quoi? C'est un géant? C'est un cyclope comme le... What? Ça se tente. Voilà, comme ça on y voit plus clair. Allez, c'est parti, on bourre. Merde, mais comment on fait pour enchaîner le... Et l'autre il te bourre dessus, toute l'âme dehors, rien à foutre. Clac. Tu vois, j'arrive pas à enchaîner, paf, le feu tout le temps, c'est bizarre. Ah oui, 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 non, mais c'est comme au début du jeu, ça. Mais recule, recule, recule. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la folle. Ça c'est fait. Allez, vise la tête, vise la tête. Vise la tête, vise la tête. Oula, attention. Retourne-toi, vas-y, retourne-toi. Coucou, c'est moi. J'ai un mort? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas mort. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Allez, heal. Voilà, hop, la magie. Parfait. Oh putain, oui, d'accord. Allez, gram. Et tu flas. J'aimerais bien t'aider, mais en même temps... Vas-y, tape. Et comme dans Shadow of the Colossus. J'ai plus de stamina. Allez, relevez-moi. C'est bon, il est enflammé. Il a des armures sur les pattes. Ah là, ça c'est des combats que j'aime. Ça c'est mon Dragon's Dogma. Tiens. Je saute, il pue au sol. J'ai rien compris. Nope. Ah merde. Ah, c'est le pire nope que j'ai pris de tous les jeux vidéo de ma vie. La vache. Non mais c'est gérable hein, mais Mais oui, t'as vu, c'est ça qui est génial. Il t'a frappé. Il m'a frappé. Avec le bras enflammé. Et non seulement j'ai pris des dégâts du bras, mais en plus, j'ai pris des dégâts du feu. Trop de détails. A hobgoblin risen.
Et encore, j'ai pas l'arme enchantée. Faudrait que j'ai l'arme enchantée feu. Pourquoi elle déclenche pas l'enchant ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Donne, 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 parfait. Oh là, ça fait encore plus mal avec le truc. Il y avait pas une arme, genre un énorme boulet de feu là-bas, là ? Ou je rêve ? Allez, pète le casque, pète le casque. Alors arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Non mais arrête de bouger, c'est relou. Voilà, merci. Ça lui fait rien. Ça fait pioum pioum pioum. Ah là, c'est pété. Allez, coupe le cul, coupe le cul, coupe, coupe le cul. Ah, t'as vu, c'est tout flasque. Ah non, mais trop de détails, beaucoup trop de détails. Ça, je voulais pas ça, on s'en fout. Il a les cuisses flasques. Dégueulasse. Allez, Jean Bonneau. Thank you. Ouais, Dragon's Dogma 2 en coop sur PC, ce serait bien, hein Capcom, des bisous. J'avais oublié que c'était eux, tiens. Putain. Non, tu lâches, toi. Mais il y a un petit gobelin de merde, j'avais pas vu. Oh, il a repris son dos, oh là là. Ah bah, oui, bonjour. Arrête de l'attaquer en foudre, attaque-le en feu. Je vais éviter de prendre une patate cette fois, ce serait bien. Oh putain! Allez, ça l'aveugle pas. Oula. Oh bim, dans l'œil, parfait. Les tirs avec du feu. Ah non, il est sonné. Aïe. C'est bon, il a pris feu. Attack on Titan, mon gars. Non! Non, ça c'est la pause. Merci. Tu m'étonnes que ma manette elle est pétée après. J'ai encore de me reprendre une patate gratos, c'est ça qui est bien.
Il. J'ai 666 points de vie, tout va bien. Chrome, Shang! Et j'aimerais bien viser son œil, mais... Ah yes. Ah mais ça tu le mets en coop, c'est une réussite commerciale directe, hein, c'est même pas la peine. On va se faire un petit peu de lumière là parce que bon voilà. Ouais voilà, à fond. Okay. Non mais non. T'entends pouvaille. Regarde, écoute bien, écoute bien. Ah, très loin ou loin que vous êtes au pouvaille. Attends, il y avait pas un coffre là-bas? Quand même. Ouais, non mais franchement, ça m'étonne pas que les Japs ils aiment ce genre de jeu. Tu retrouves un petit peu, tu vois, un des environnements un petit peu à la direction artistique de Dark Souls, tu retrouves un petit peu un Dragon Age Inquisition. Merci pour le follow, Mjolininir. Oregon du Sud, très bien. Bientôt on va récolter du piment d'Espelette, on va rien comprendre. El famoso café clop. Non mais tu vois, c'est comme Monster Hunter Online, finalement on aura Monster Hunter World, mais bon il est arrivé je sais pas combien de temps après le Online. Donc finalement c'est chaud. C'est vrai que souvent en Europe on est les laissés pour compte. Soit ça arrive en anglais, bon, ce qui est déjà pas mal, soit ça arrive jamais du tout. Et là, la bof quoi. Ah bah oui. Sur PS4, tu... Bah, faudrait que je revoie un petit peu ce qui a été changé au niveau graphique, genre les effets de lumière, les machins, les trucs. Voir un petit peu ce qui est différent. Par rapport à tout ça, et bah oui, parce que ça a été quand même un petit peu remanié. Ma caméra qui part complètement en couille à force de m'exciter sur ma manette, moi. Mais ouais, ouais, non, mais c'est cool qu'ils aient ressorti ça, tu vois, ça recrée un peu de la hype, tu vois, à mon avis. Ils ressortent ça pour voir un petit peu comment le jeu va marcher, et ils vont se dire, ah ouais, non, ça marche pas mal, on va peut-être faire un 2 et... Ah mais c'est marrant, tout le monde nous gueule dessus qu'il n'y a pas de coop. Bah ouais, ce serait bien Capcom. Qui qu'on va. Capcom a l'air de chier dans l'alcool quand même en ce moment, faut dire, mais bon. Oh putain, ma manette. La tête de gobelin apeuré, s'il te plaît. Oh là là, mais c'est tellement craqué les sorts de feu. Oh.
Et il m'a empêché de sauter. Oula. Aïe. Hopidou, hopidou, il y a déjà un mort. Non, bah non, non, clairement pas, non. Tu sais pourquoi t'es parti aussi loin? Paf! Finish him. Pas trop de changements par rapport à la version PS3. Y'a que les bandes noires qu'on dégageait. Oui, c'est un peu moche, oui. Mais t'as vu comment elle en prend plein la gueule, Zeva? Pourtant, elle est épée bouclier. Hein. Je vais retirer une flèche de lumière pour voir. Ok, ça marche. La manette, la manette, la manette, s'il te plaît, la manette. Putain, c'est pas vrai. Bon, tu remarches. Ça remarche. T'inquiète, j'arrive. Si ma manette remarche. Oh, loupé. Ok, combo. Ah oui, mais elle le tenait. Dommage. Enfin, bizarre, d'accord, ok. Morceau de fer. Je suis quel level? Je suis level 20. Je suis level 20, je suis paumé dans une forêt, je vais je sais pas où. J'explore. J'explore, j'explore, j'explore. Aïe. Je sais pas où j'explore, mais en tout cas j'ai une quête qui m'amène genre là-bas. Forcément, vu que ma manette marchait pas, j'ai pu... Bam! Voilà. Je vais essayer de m'éclairer loin, loin, loin. Ok, on est bon. Non, sans déconner, la map ça sert à pas te perdre. Merci. Sans déconner, merci. Attends, on peut monter là, je suis sûr on peut monter. Le jeu est tellement torturé de la tête quand il s'agit de te faire explorer que laisse tomber. Non, ou pas. Tu sens l'embuscade là? Voilà, comme ça qu'on combatte mon gars. Ça me bouffe une barre de stamina entière mais c'est pas grave. Brochette de combo. Ah je vois plus rien, 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 je vois plus rien. M'en fous, mon arc il est magique. Même pas besoin de viser. Ça se soigne tout seul ou pas les états? Les états, n'importe, oui les états, enfin les altérations d'état. J'arrive plus à parler. Et bah, je vois plus rien du tout. Sauf lui, lui je le vois. Sinon tu peux, tu as un sort hein, Bat Elf. Pour nous enlever ça à la base. Hmm. Voilà, c'est bon. Mais non, mais enchante pas mes armes, greluche. Merci.
Mon dieu, mais tu es blessé. Attends, j'enchante ton épée avant. Et comment ça, il y a un Drake pas loin? Bon. On va sauvegarder. On va sauvegarder déjà. Je sais pas, j'ai pas envie de le savoir en fait. Je suis bientôt. Oh, il y avait une route, on déconne. Ah oui, d'accord, la route, elle faisait tout le tour. Ah, mais regarde-moi ça là. La manette fait complètement bugger mes raccourcis, ça veut plus rien dire. Et j'ai grid. Bah voilà, c'est là. Oui, bien sûr, ouais. Les dragons, tout ça, facile à buter, alors que c'est un petit peu genre le pitch du jeu, que le dragon il te... Voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est combien de niveau max dans le jeu? Parce que là, je suis quand même niveau 20, je sais quoi, c'est 100? Mais non, mais je sais pas, moi j'ai une quête, j'y vais, je la fais, enfin, normal. Non? Faut pas? D'accord. Ah, 200, la vache. Ah là là, je te jure. Non mais c'est surtout qu'il est l'heure en fait, et que demain, je dois me lever un tout petit peu. N'est-ce pas? Donc vous avez déjà eu une demi-heure de rab, donc ça suffit. Non, même pas une heure de rab. Donc ça a suffi. Voilà, point trop n'en faut. Mais bon, moi j'aurais bien continué à jouer toute la nuit, comme j'ai fait hier soir. Mais c'est pas pétible. Pas ce soir. On se retrouve vendredi soir. Vous avez les VOD sur eh bien, la chaîne YouTube. Il y a sûrement les liens qui vont arriver d'ici peu de temps. On se tient au courant sur Twitter pour un petit peu aussi toutes les news. Et le lundi soir, je rappelle que c'est sur la Renew TV. Des bisous, amusez-vous bien et profitez bien de Dragon's Dogma pour ceux qui l'ont pris sur PS4 ou les autres, hein, parce que c'est le même jeu. Allez, à peluche.